Un monsieur. Un monsieur. C'était mon chat. Dingue, ça. Dingue, ça. Jamais, il peut raconter mes histoires. Je me tracasse. MBC. Je suis pas en épidémiologie aussi. Tu veux que je parle de l'épidémie? Non. Épidémiologie. Je peux dire épidémiologie. Non, je ne suis pas épidémiologiste. On va dire, tu peux... Pas dans le contexte français, mais tu peux parler de l'épidémie. Tu veux que je parle de l'épidémie? Non, je n'ai pas compris ta question. Non, je fais représentation. Ah, représentation de moi. Oui, immunologie et... Immunologie, infection virale, c'est ce que je connais très bien. Allez. Ok. Bon. Putain, nous. Pile 45. On dit goum ou goula. Pardon? Oui, j'ai vu, non, si on est là.
public service. Public health. Pas régional, directeur, c'est bien. Ben, amis de la presse, bonsoir. Je remercie vous pour votre présence ce soir pour un point de presse qui nous peut faire depuis le Prime Minister's Office. Et avant tout, laisse-moi annoncer la création du National Communication Committee on COVID-19 que le Prime Minister's Office vient de mettre sur pied, qui peut être présidé par le Premier ministre lui-même et dont le porte-parole, c'est moi. Et ce comité-là comporte plusieurs personnes dans le monde de la communication attachées avec le bureau du Premier ministre. Le but de ce comité-là, c'est communiquer, donner une information en temps réel et appliquer la politique de transparence du gouvernement concernant l'épidémie de coronavirus qui frappe nos pays. Et aujourd'hui, le but de nos conférences de presse, c'est avant tout expliquer l'application et les modalités d'application de toutes les mesures que le gouvernement prend depuis quelques jours. Et pour accompagner-moi dans cette explication-là, moi, à ma droite, le docteur Gadjador, qui est le Director of Health Services, Public Health. À ma extrême droite, docteur Catherine Go. Docteur Catherine Go est spécialiste en immunologie et infection virale. Et à ma gauche, il y a le DCP Jogrou, qui pour expliquer toutes les mesures, comment nous pouvons appliquer à partir d'aujourd'hui. Donc, comme nous tous connaissons, depuis hier, le Premier ministre fin fait un address to the nation, fin cause avec la population, et suite à un nouveau cas de COVID-19 qui nous fin gagner, fin applique une mesure qui est une première dans l'histoire, une mesure essentielle qui vise à protéger nos populations par rapport à la propagation virus coronavirus. Donc, cette mesure-là, c'est le confinement. Confinement national, c'est un mot nouveau pour nous, mais c'est un mot qui est bien, bien important. Le confinement, par définition, il veut dire bien reste à l'intérieur, bien reste dans la case. Nous peut demander, le gouvernement peut demander, la population reste à l'intérieur parce qu'il nous pensait, nous connaît que le virus l'y propager par contact humain, c'est parce qu'il y a des gens sortis à rencontrer les autres gens qui le virus l'y propager. Le virus l'y pas propager par lui-même, c'est des gens qui transportent l'y d'un gens à les autres gens. Donc, la mesure de confinement, le but, c'est qu'il nous arrête la propagation du virus. Plus pour un contact entre des gens, plus pour un nouveau cas à partir de sa NK qui finit rentrer, qui nous connaît comme le cas numéro 1. Nous conscients que sa mesure-là, il y a un grand impact sur la vie de nos compatriotes, dans la vie sociale, dans la vie économique de nos pays. Et tout le monde concerné par sa mesure de confinement-là. Bien sûr, comme le Premier ministre vient de dire hier, il y a un service essentiel qui pour bien continuer à fonctionner. Service essentiel comme la police, pompiers, l'hôpital, dispensaire, clinique, la pharmacie, ban commerce d'alimentation, ban filling, station d'essence, ban la banque pour qu'il y ait des gens capables de retirer de l'argent pour ban besoin personnel. Et il y a aussi une liste de bonnes activités économiques qui nous pour communiquer, qui pour permettre une activité minimale parce qu'il est essentiel pour le pays. Je vous passe à une information pratique, une modalité, comment nous préconise pour faire ce confinement-là possible.
Ban bazar, la foire aux légumes, la boucherie pour ouvrir tous les jours normalement. Concernant le transport public, nous proposons un service minimum, que ce soit par la CNT ou une compagnie individuelle. Bus pour rouler de 7h du matin à 7h du soir, mais à une fréquence réduite, puisque le but, c'est ralentir la circulation des personnes, parce qu'ils nous connaissent, plus point d'un dimonde au chemin, plus point d'un risque dissémination, infection. Concernant métro, métro pour en service de 6h du matin à 6h du soir. Et nous espérons, nous demandons à la population de collaborer pour qu'il s'abonne une mesure à la vie efficace. Si ça va une mesure là respectée, nous connaissons qu'il nous bougait un résultat bien bien vite et nous-mêmes nous pouvons trouver qu'il n'est pas plus nécessaire de continuer ça au-delà de la période qui finit préconisée. Nous demandons à monde reste dans la case, évite sortir inutilement, sortir seulement pour la nécessité, pour la manger. Et dans la mesure du possible, sorti non accompagné. Sorti tout seul, parce que, comment se fin, tout le monde finit de comprendre, le principe, c'est qu'il ne faut pas qu'il y ait un contact humain. Rodrigue aussi, concerné par le confinement, pour arrêter de vol à partir de 20h ce dimanche entre Maurice et Rodrigue. Et une mesure de confinement pour appliquer pareil à Rodrigue, comment l'IP appliquer à Maurice. Le gouvernement aussi peut prendre aussi une mesure par rapport à une utilité publique, comment CEB, CWA, Télécom peut permettre repos de paiement après période de confinement. Mais après, vous avez payé. Au niveau déclaration de véhicule, pour capable de renouveler déclaration après période de confinement sans payer pénalité. Le ministère des Finances peut assurer tout bon employé dans le secteur formel qui se tout pour gagner votre salaire. Et ça, le Premier ministre Fingeli hier. Tout bon monde qui n'a pas gagné pension pour la banque, gouvernement pour ouvrir guichet le 3 et le 4 avril. Toute la plage publique pour fermer, personne n'a pas le droit de sortir pour la plage. Maintenant, toujours concernant l'aspect confinement, Mouina à côté de moi, le disciple Jogrou, qui peut expliquer nous une disposition que la police peut prendre pour appliquer sa principe de confinement-là et qui manière la police pour contrôler qui la circulation de bonnes personnes, l'époux limité. On passe la parole d'ici Pidjago. Monsieur, madame, bonsoir. Comme je tout connais, c'est la première fois qu'il donne une situation pareille. Ce confinement-là, il prend effet à partir de ce matin à 6 heures. Depuis qu'il nous a annoncé hier, la force policière a été mobilisée et nous préparer pour cet événement-là. Ce n'est pas une situation normale, c'est une situation différente, une situation d'urgence. Là, nous prenons. Nous venons d'un ennemi visible. Là, ce que nous avons à dire, nous sommes là pour aider la population. Et la population, nous devons coopérer avec la police. Confinement veut dire qu'ils ont besoin de restreindre notre mouvement. Et la police, il faut faire un déploiement entier l'île pour qu'ils soient respectés. Si nous avons une situation idéale, nous devons mettre un policier devant chaque maison. Là, nous contrôler qui dit qu'on peut sortir, qui dit qu'on ne peut pas sortir. Mais malheureusement, nous ne pouvons pas compter
éléments dans la force policière. Nous avons 13 000 policiers. Pour nous capables de faire ça fonctionner, nous prenons un système de roadblock dans différents endroits. Nous prenons un système de contrôle pour les gens qui peuvent aller, qui peuvent acheter une marchandise ou une boulangerie ou quoi que ce soit. Nous ne pouvons pas empêcher à acheter, manger, mais seulement nous voulons qu'il y ait une certaine discipline dans tout cela. La police peut arrêter pour demander quand il peut aller. Et nous pouvons penser qu'il quand il causait, nous disons, il y a dans cet endroit-là, il retourne chez lui, comme il est besoin. Il n'est pas besoin de prendre ça l'occasion-là pour y aller promener, quoi que ce soit. Parce que, comme le docteur dit, si la personne dit, lui, ça ne peut pas affecter les autres immunes. Nous connaissons qu'il y a une amende de 500 roupies maximum dans un cas qui est un immune fauté, ou bien un emprisonnement maximum de 6 mois. Mais là, il y a une question de discipline. La population, quand elle coopère avec nous, nous ne pouvons pas venir dans cette situation-là. Mais si la population ne peut pas coopérer, là, nous pouvons prendre dans un système-là. Aujourd'hui, ce que nous faisons une campagne de sensibilisation pour faire que les gens comprennent qui est l'action que nous prenons si arrivé de ne pas respecter la loi. Nous avons dit qu'ils ont dit un service essentiel qui fonctionne, spécialement un service gouvernemental, mais néanmoins un comité qui est set-up au niveau du Premier ministre, qui est présidé par le secrétaire de Home Affairs, pour qu'il y ait un coup de service financier qui est capable ou bien qui pourra fonctionner à partir de la semaine prochaine. Nous prenons une application qui est là pour faire, cas par cas nous pour analyser, et ce comité-là pour décider qui est le permis qui peut allouer. À ce moment-là, tout le monde qui peut sortir côté pour aller travailler, le lieu de résidence et retourner côté, il peut gagner un permis. Et ce permis-là, nous pouvons bien avec lui, avec son corps d'identité et tout ça. Nous prenons un contrôle strict à ce moment-là, et c'est lui qui paie dans sa banque permis-là, nous ne pouvons pas laisser voyager. En général, nous carassons eux qui, depuis aujourd'hui, nous sensibiliser. Demain, ils pourront un peu plus, nous pouvons enfoncer un peu plus la loi, mais à partir de lundi, ils pourront plus strict. Ils pourront beaucoup plus strict, et là, nous voulons make sure que la loi nous est appliquée correctement. Nous pouvons trouver qu'il y a une partie du monde peut profiter par la plage. Moi, je demande eux de bien coopérer. Ça, nous pouvons empêcher du monde à aller à la plage, à la mer, quoi que ce soit. Nous prenons un hélicoptère qui fait patrouille aérienne, et nous pouvons guetter côte à côte et dans l'attroupement de Bandimoun, nous pouvons prendre action, nous prenons une force de l'autre qui peut aller pour prendre une action pour disperser ou bien pour dire à la case, ou bien c'est pas une action disciplinaire qui est bien. Moi, je demande le public comprendre la situation qui nous était, nous devons coopérer avec la force policière, et nous là pour être autres, et nous là pour être autres, n'importe quoi que ce soit, si nous sommes dans une qui sont qui ne peuvent pas comprendre, nous devons contacter nos police information room, nous vous donner une bonne information additionnelle. Nous comprenons qu'il y a des gens qui ont des affaires, si pas, il y a un petit travail pour faire, quoi que ce soit, nous contactons, nous bouquetons, donc qui possible, au plus possible, mesure que nous ne pouvons pas aider. Mais, pas faire bonnes affaires, c'est tout sortir en groupe ou quoi que ce soit. Merci. Merci, merci DCP pour sa bonne explication qui vous finit de donner là. Bien sûr, nous pour continuer à communiquer, nous pour continuer à expliquer et dans la mesure du possible, nous pour être très très clair pour que du monde comprend que tout ce que nous veut faire est dans l'intérêt du public. Est-ce que tu es un petit peu dans situation dans le monde? Comment nous connaît à ce matin, sinon? Un petit peu plus que 245 000 d'immune qui finit contaminé par le virus de COVID-19. Et ça, virus-là, finit faire plus que 10 000 morts. L'épicentre de la maladie, qui commençait en Chine, l'épicentre maintenant, il vient en Europe. Et nous trouvons qu'il y en a beaucoup de décès, surtout dans les pays européens comme l'Italie, la France, l'Angleterre, l'Espagne.
Donc, sa situation qui peut prévaloir en Europe, surtout, vient justifier encore plus bonne mesure, surtout la mesure du gouvernement pour limite, pour interdire l'accès au pays de bonne passager, de tout passager. De tout passager venant de l'étranger depuis avant-hier. Nous connaissons qui s'affine prendre des pourvus un certain nombre de monde. Et il y a des gens qui ont des familles récemment bloquées en transit à l'étranger. Et nous travaillons l'ON plan. Et nous demandons à ces gens-là, entre-temps, prend contact avec l'ambassade, le consul et le ministère des Affaires étrangères pour qu'ils aient une solution mettre en place. Comment je te connais et je peux apprécier que le gouvernement, avec à la tête le Premier ministre, le ministère de la Santé, ce priorité, c'est protéger les 1,3 million de Mauriciens qui l'ont nos territoires. Nos missions, c'est faire en sorte que le virus n'est pas propagé dans nos pays. C'est pour ça qu'il nous fait une bise, prend une mesure drastique pour empêcher ben Jimoun rentre dans le pays parce que tout Jimoun qui sort dans une zone que la maladie peut sévir, potentiellement capable d'amener le virus dans nos territoires et ce qui fait passer pour le cas numéro un. À l'heure qui m'a fait causer, nous déjà fin arrive à 12 cas confirmés de COVID-19 à Maurice et je passe la parole au docteur Gajador, le Director Health Services Public Health, pour qu'il brosse un tableau de la situation au niveau du ministère de la Santé, la situation au niveau de Nouban l'hôpital, la situation au niveau du centre de traitement de Souillac, la situation au niveau de notre centre de quarantaine, et Dr Gajador pour expliquer nous qu'est-ce nous était dans ça, l'aspect sanitaire là. Bon après-midi de tout. Merci, Geneviève là. Comme on tout connaît, le 11 mars, le directeur de l'OMS déclare sa maladie-là comme une pandémie. Ça veut dire que la maladie-là peut circuler partout dans le monde et nous avons différentes sources que ce virus a venu. Premièrement, nous en avons plus que 170 pays qui sont infectés. Et Maurice nous fait gagner nos premiers cas de coronavirus il y a 2 jours de cela. Maintenant, après 2 jours, nous fait gagner 12 cas de coronavirus. Aussitôt que nous fait gagner ces 12 cas, nous gagnons ces 20 premiers cas de coronavirus, le ministère fin déclenche sa deuxième phase du protocole qui est mis en place. La première phase qui nous mettait, c'est nous typer cause l'eau, qui manière nous faisons prendre de précautions et nous typer cause l'eau. Sensibilisation de la population explique toute la population qui était coronavirus, comment l'y propager et qui va de précautions qui nous faisons prendre pour ne pas gagner sa maladie-là. Maintenant, en ce moment-là, nous commençons une surveillance au niveau port, au niveau aéroport, dans la communauté, pour qui nous ne gagnons pas de cas dans Maurice. Et si nous gagnons pas de cas, nous détectons plus vite que possible. C'est ça qui finit d'arriver. Nous finissons gagner, premier jour, nous finissons gagner 3 cas. Et aussitôt qu'il finit gagner 3 cas à Maurice, nous déclenchons une deuxième phase de la
un National Action Plan, le coronavirus. Ce que nous pouvons faire maintenant, c'est chaque cas qui nous peut gagner, nous suivre, nous guetter, quand ce cas-là fait une sortie, et quand il peut rester, et qui s'en allait fin juin. C'est là, ce qu'on appelle ça le contact tracing. Quand le premier cas était, dernière une semaine, quand les finales, combien de gens fin juin, qui n'ont droit les finales, comme ça, nous pouvons faire beaucoup de tests. Là, nous faisons beaucoup de tests, c'est ça le résultat de Vantes, 12 cas de finir. Si nous ne pas faire Vantes, nous ne pouvons pas connaître comment maladie. Parce que la maladie là, les transmet homme à homme. Si vous avez une maladie là, on reste quelqu'un reste prêt à aller pour gagner une maladie là. C'est à travers ce contact tracing qui nous peut faire dans une région que le premier cas finalé et nous finissons 12 cas. Valet du jour, nous finissons faire 145 dépistages. Entre dans une famille ou un camarade que sa première personne qui t'y à finaler. Dans ces 145 cas-là, nous trouvons qu'il nous finit gagner 12 cas qui positifs. Nous finit gagner 10 cas qui positifs. Et ça, il y a un seul foyer pour l'instant. C'est une personne qui finit à contacter tout sa mandibunda et sa mandibunda finit infecté. Nous continuons à faire nos contacts tracing parce que nous besoin à vite encore et nous comme ça, nous poussons à guetter parce que contact pour faire l'autre contact gagner, contact pour faire l'autre contact gagner. Alors, nous devons aller vite et nous devons faire le maximum de dépistage pour nous connaître jusqu'à quand la maladie va aller. Parce que notre objectif, c'est contenir le malade plus vite que possible pour ne pas propager plus loin. Il y a un gros travail que nous pouvons faire. Et suite à la cause, ça, on trouve aujourd'hui le gouvernement a filmé un système que nous filmons dans le confinement et nous pouvons encourager à résoudre la case. Si nous sortons de la case, nous marchons, nous ne connaissons pas qui s'en a nous besoin, nous sommes capables de faire un contact là et nous sommes capables de propager ce malade-là plus. Pour empêcher ce malade-là de propager, c'est une façon, c'est nous confinons nous-mêmes, nous empêchons la foule, nous empêchons nous dans la foule, nous empêchons le rassemblement et c'est la cause. Ça, aujourd'hui, nous trouvons l'école fermée, une place publique où beaucoup de gens ne peuvent pas aller, et ça, les propos se fruit à court terme. Nous trouvons aujourd'hui qui nous finit faire plus que 200 tests. Dans ces 200 tests-là, nous finissons trouver 12 positifs et 188 négatifs. Nous avons encore un test que nous pouvons faire tous les jours, et suite à ce test-là, nous pouvons trouver combien de cas nous pouvons gagner. Chaque cas qui est positif, le ministère informe le bureau du Premier ministre et nous pouvons informer le public, tout le cas qui nous peut gagner tous les jours. Maintenant, ces 12 cas-là, tout peut prendre bien. Vous êtes stable, vous êtes bien, mais vous êtes sous traitement à l'hôpital Souillac. Vous pouvez gagner d'autres médicaments et nous, les spécialistes, peut suivre vous de près. Maintenant, nous avons un centre de quarantaine. Je suis capable de dire au valeur du jour, nous avons 14 centres de quarantaine qui dans différentes régions du pays. Et nous avons un centre de Souillac qui maintenant n'est plus pour prendre la quarantaine. D'ici dans le protocole, quand on dit comment nous gagnons le premier cas, Souillac pour convertir complètement à un centre d'isolation et de traitement. C'est ça que nous pouvons faire, qui tout passager qui est en quarantaine en Souillac, nous pouvons transférer eux et nous pouvons seulement une place côte nous pouvons faire une isolation et un traitement pour un cas qui est positif. Nous avons gagné jusqu'à maintenant 925 passagers qui nous avons admettre dans différents centres de quarantaine. Nous finissons suivre ce passager-là pendant 14 jours. Et aujourd'hui, 258 finissent en toute la case. Et nous avons 667 passagers qui sont toujours en quarantaine. Nous connaissons comment la maladie-là peut transmettre. Nous finissons faire sensibilisation. Toute la population connaît comment elle peut transmettre. On pourrait dire comment elle peut transmettre. Parce qu'il est très, très important.
Premièrement, nous bien connaît qui ça, c'est un virus. Virus là, si quelqu'un est infecté par ce virus là, des bougains et des symptômes comme la fièvre, tousser, des bougains, un problème respiratoire. Alors, quand il toussait, c'est là qu'il dit pour, ça va une gouttelette qui peut sortir là pour un virus là. Ça coûte tête là, c'est même coup infecté par les autres timons. Qui fait un mauvais dire ça, si nous besoin bien comprendre ce mode de transmission pour nous prendre toute précaution. Alors, ça va une gouttelette là, quand il hale dans l'air, si quelqu'un respire ça directement, il peut infecter. Ou ça, quand il tombe loin objet, il tombe loin la table, ou ça, il tombe loin un noble à la porte ou dans la salle de bain, et si on ne passe pas là, on touche ça un objet là, on passe sous la main là, et on touche le nez, on gratte ou léger, on touche sur la bouche, définitivement, on peut infecter. La cause, ça qui nous dit, c'est plus important que tout, pour protéger nous-mêmes, c'est on lave ou la main régulièrement. Chaque fois qu'on sentit ou la main sale, on vient laver. Si on a un sanitizer, on s'est venu. Et si vous pensez qu'il y a tous un objet qui est capable, qui soit une tombe là, on lave la main tout de suite, premièrement. Deuxième, c'est au besoin gain habitude, pas gratte aux oreilles, pas gratte aux yeux, pas gratte au nez, pas tout sur le nez et pas tout sur la bouche. Parce que c'est ces trois parties-là qui sont capables de faire gagner une infection. Si vous suivez ça, et ou reste une distance de 1 mètre, un social distancing, nous pensons qu'il faut bien protéger. Et si nous tout nous faire comme ça, quand même qu'il y a quelqu'un qui est infecté, qui est là, parce que nous ne connaissons pas qui dit monde qui est infecté, et si nous suivons cette précaution-là, nous ne pouvons pas trouver qui fait nous pour gagner cette maladie-là. C'est très, très important. Alors, pour moi, si nous avons une hotline que nous mettons maintenant, au niveau de l'hôpital, au niveau du ministère, sa hotline-là, le même niveau, 89-24, un seul numéro maintenant, 89-24, lit 24 sur 7, c'est n'importe quelle personne qui dit penser, lit besoin qu'il y ait information concernant sa maladie-là, ou lit penser qu'il y en a un symptôme qui est capable de préférer sa maladie-là, n'est pas hésiter, il téléphone dans sa hotline-là, nous pouvons donner tout renseignement et qu'il y a besoin de faire. Maintenant, si nous trouvons quelqu'un, si quelqu'un pensait qu'il peut gagner la fièvre, qu'il peut gagner tousser, et qu'il finit gagner contact avec quelqu'un qui est bien suspect, premièrement, c'est qu'il est bien fait, il n'est pas bien paniqué. Il n'est pas bien garder le gosse droit de partout, rentre dans le bus, rentre dans l'auto, à l'hôpital. Il confine lui-même, il isole lui-même, il téléphone au 89-24, nous pouvons dire qu'il est bien fait. Du moment où on isole nous-même, où on continue nous-mêmes, ça, c'est un gros travail qu'il nous finit faire. C'est un pli important. Parce que nous ne connaissons pas si on est malade là, et si on est malade là aussi, si on fait sa précaution là, on peut empêcher sa maladie là de propager dans la société. C'est tout ce que je vous dis. Merci. Merci, merci docteur. Et moi je peux constater, nous au niveau du gouvernement, nous pouvons faire tous les efforts qui sont possibles, tous les efforts qui sont nécessaires et nous pouvons déployer un grand moyen pour que nous soyons capables de contenir ça, l'épidémie de COVID-19 à Maurice. Au niveau de la communication, nous pouvons lancer une grande campagne de sensibilisation pour qu'il du monde comprend comment la maladie évolue, comment la maladie disséminée, qui va une mesure de précaution bien prendre, qui va un changement de comportement qui nous pour bien adopter. Docteur Finzi va une mesure pratique, une pratique d'hygiène bien bien simple, que nous besoin laver nous la main, nous pour dire lui, redire lui, chaque fois qu'il nous rentre la case, lave la main chaque le temps, nettoyer la case bien propre avec tout bonne surface avec un détergent, évite le contact humain le plus possible et respecter une distance de 1 mètre entre des djimouns le plus possible. Il ne fallait pas qu'ils nous sautent dans la case inutilement, on utilise l'italien là, et on utilise le virus là,
pas bouge par lui-même, c'est du monde qui bouge et qui transmet maladie là. Nous faisons un appel à tout bon responsable religieux pour qu'ils se prennent cette responsabilité, je te collaborer et je te conseille et encourage mon fidèle à faire la prière à la maison. Parce qu'il nous connaît tout un rassemblement de plusieurs personnes comporte un risque. Il ne faudrait pas qu'il y ait un rassemblement familial pendant cette période-là. Il ne faudrait pas qu'il y ait les autres rassemblements qui ne sont pas nécessaires. Nous, ici, on a une pensée spéciale à une personne âgée qui nous connaît. C'est une catégorie de personnes extrêmement vulnérables. Et quand nous avons une statistique, dans un décès, il n'y a plus beaucoup de monde qui est plus de 70 ans. Nous demandons à des gens âgés qui se dressent la case. Et dans une famille, côté d'une personne âgée, nous demandons à une personne âgée-là reste dans la chambre en isolement pour qu'ils ne soient pas risqués de tomber malade. Au public en général, nous demandons de pas à l'hôpital pour check-up. En général, quand je suis en bonne santé, pas à la consultation de suivi qui je suis habitué à aller, je t'ai fait aller après, et évite faire un déplacement inutile à un dispensaire et à la pharmacie. Tout ça, un conseil là qui nous peut donner, c'est dans un propre intérêt. Et nous demandons aussi par le rendre visite ben des gens malades dans l'hôpital et dans la clinique quand ce n'est pas nécessaire. Et docteur Gadjador fin dire qu'il y a une hotline qui nous fait mettre à disposition. Nous fait mettre une hotline à disposition pour qu'il y a plusieurs professionnels de santé qui pourront répondre à une question, à une interrogation du public. Pour les gens qui pensaient que j'étais capable de COVID-19, j'ai besoin de rester à la maison, isoler, téléphone le hotline, explique ce cas et le service hospitalier pour prendre en charge pour venir servir à la maison si tel est le besoin. À mon extrême droite, il y a Dr Catherine Gau, qui est spécialiste en infection virale et au moment des questions, si vous avez une question spécifique sur le coronavirus, vous êtes capable de poser directement. Je vous rappelle que demain, nous pourrons faire un point de presse ici même à 11h30 et nous vous invitons tous qui là pour ce point de presse-là pour que nous ayons une continuité dans l'information. Et je vous invite à poser toutes les questions que vous pensez que vous avez besoin de poser nous et dans la mesure du possible. Si nous ne pouvons pas répondre maintenant, nous pouvons être capables de donner une réponse à 11h30 demain. Merci beaucoup et je passe la parole. Bon dia qui vous avez trouvé qu'il y a une forme qui peut sortir l'application. Nous pouvons aller le website, tout ça là, de faire une application. Il y a un comité qui peut analyser ça demain. Et à ce moment-là, nous pouvons échouer sa bonne place là. Comme la presse aussi, hein, tout ça là, nous pouvons échouer d'après Banca, étudier tout Banca individuellement. Et là, nous pouvons demander un permis de mouvement. Et sa forme là pour online à partir d'aujourd'hui même. Le nombre de personnes qui, si comment nous dans la presse, chaque presse, le nombre de personnes qui ont permis. Oui, certainement. Nous pouvons analyser cas par cas. Nous pouvons guetter qui bande du monde, qui nous pour les autres mouvements que je ne peux pas déplacer ou pas. J'avais toute bonne question à discipline de groupe. Vous posez toutes les questions qui je ne peux pas cross-examiner. Dans un petit semaine, donc vous pouvez trouver sur le site
l'attroupement de ban région rurale ou tout quoi que ce soit, ban petit chemin, pas pour capable, non. Ok? Nous prenons une patrouille régulière. Nous prenons une patrouille régulière qui pour en place et nous pour mettre sûr qu'ils ne sont pas rassemblés. Ben, si la boutique, peut-être de trouver un état, des états, quoi que ce soit, mais nous pour décourager, ça va nous vertir là. Nous pour décourager, ben, des gens viennent de l'autre côté de la boutique, faire l'attroupement, quoi que ce soit. Et ça va une patrouille là pour être dans toute l'île. C'est, vous pensez que c'est le docteur Dumay qui peut répondre à cette question-là. Non, non, ce qui m'a permis de dire là, il y a une soft approach pendant ce week-end-là, là, une soft approach parce que c'est la première fois qu'il peut arriver dans Maurice. Alors, si nous pouvons sensibiliser la population, nous pas pour commencer mettre la main avec la population, bien mener, check, tout ce qu'on a fait. Nous pouvons sensibiliser, nous pouvons prévenir, et à ce moment-là, nous pouvons faire les vignes un peu plus ça, à partir de demain, nous pouvons monter lundi, éventuellement, nous pouvons restreindre le mouvement. Si tu veux, peut sortir, peut aller à la plage, ou bien aller faire les bonnes affaires qui n'ont pas besoin de faire, à ce moment-là, nous pouvons prendre l'action nécessaire. Mais là, c'est un des jours-là, nous pouvons un petit peu soft approach. Pour question la police. La police. Est-ce que répondre avant tout à la question qui s'est adressée à DC Budget Group? Effectivement, le but c'est God Ban Jimoun à l'intérieur, mais nous pouvons les banques commerces ouverts, un certain nombre de commerces ouverts, parce que bazar légumes et la boucherie. Hein? Bazar légumes et la boucherie. En fait, le col gouvernement peut donner une instruction bien claire à man bazar et man, la foire légumes. Et c'est pour capable permettre de permettre d'approvisionner en produits alimentaires. Nous pas... Donc, non, bazar ouvert à 7h à 3h, il me semble. Donc, ça, c'est ce horaire d'ouverture normal. La CA, évidemment, nous, si nous avons envie, appliquer la solution maximale. C'est fait, tout le monde reste à l'intérieur, mais dit difficilement applicable. Et nous, déjà, prenons l'impact de la vie sociale ben, du monde. Et nous conscients qu'il y a besoin d'une certaine flexibilité pour que du monde soit capable d'avoir la provision de la CA. Nous avons fait un appel à la responsabilité ben, du monde. Il faut des parcs d'attroupement, que ban marchand, ban du monde bizin capable comprend qui l'espagne du monde finit à provisionner tout à ce niveau. Nous peut dire, nous peut permettre ça. Mais mon renseignement ce matin bazar, ban marchand même pas venu parce qu'ils ont aussi, je peux être, je suis en contact avec du monde. Pour eux aussi il y a un danger. Si vous pouvez à côté de marchand une fois, ben marchand il peut recevoir 30 du monde. C'est 30 fois plus risque qu'il y en a. Donc moi, je pensais que sa mesure-là, nous fait dit comme ça, mais c'est moi, pour lui-même, lui pour réguler pour lui-même. Donc, il y a une certaine flexibilité qui nous peut bien autoriser, parce que la vie va continuer malgré le confinement. En fait, le cabinet il décide l'oban horaire, mais c'est les tomes sous responsabilité. Local authority, c'est-à-dire local government, district council et municipalité pour guetter un peu réglementation, comment pour mettre ça en application et prendre un bon inspecteur de bazar pour guetter. Évidemment, il y a certaines réunions pour ouvrir, d'autres réunions pas pour ouvrir. Et c'est pour une pareil comme la police pour faire une surveillance, mais municipalité et district council pour bien guetter comment bazar et la foire peut ouvrir. Comment m'aurait dit, nous, tu pourrais faire
pas nécessaire ouvrir, mais c'est bon, nous bien compose avec la, le fait que du monde bien capable d'acheter les légumes, bien capable à la boucherie. Donc, est-ce qu'il nous encourage du monde à finir faire un stock pour 15 jours, est-ce qu'il du monde prenne moyen faire les, ou alors nous autorise une certaine souplesse et nous faire confiance et nous faire un appel à la responsabilité du bon citoyen pour qu'ils autres comprennent qu'ils ont fait d'une façon qui ne pas mettre eux même et ni eux mettre le commerçant à risque. Donc, effectivement, bon, nous faire appel au bon sens. Mes parents ne faisaient pas prendre mes enfants, mais ils se promener, ni à le faire course. Et mon corps, il paraît, il découle de source. Et ensuite, nous bouguettons une côte, l'afflux. La police, là, la police peut observer, nous bouguettons l'afflux qui pourrait être devant mon supermarché. Quand c'est du monde venu, si bizarre, faire ben du monde rentre pas batch. Devant le supermarché, faisons faire la quai. Mais c'est demandé une façon distancée. Nous pouvons trouver un moyen et nous pouvons informer eux, puisque nous avons besoin de tous les jours. Je peux trouver, je peux capable reposer nos questions. Et si nous pouvons trouver que le supermarché a un problème, mais nous pouvons trouver une solution pour régler le problème là. Donc, en fait, nous, pour guetter, prenons pour besoin d'un bon contrôle de prix. Et, vous connaissez, l'épidémie, une mesure exceptionnelle, il y a toujours une business opportunity pour certaines personnes. Mais les autorités, là, pour contrôler tout ça, là. Chacun pour bien faire ce travail. Donc, le ministre, il prend l'engagement qui, d'une part, pas prenait la pénurie, d'autre part, prenait un certain contrôle sur les prix et nous pourrions évaluer la situation au courant de la semaine prochaine. Nous connaissons les trois premiers patients qui sont gagnés, les hommes en particulier. Est-ce qu'il y a un profil d'un homme qui est là? Je passe la parole. Tout une question qui spécifique à un patient, quarantaine, système hospitalier, traitement à Dr Gadjador. Et s'il y a une question spécifique par rapport à maladie, virus, l'épidémie, c'est Dr Gou. De ne finir au moins, pas nous. Ouais. Oui. En fait, le. Ouais, mon pour causer. En partie, et moi pour laisser Dr Gou soutenir ce qu'il peut dire, nous pouvons appliquer un protocole qui peut appliquer en France en ce moment et qui finit donne, selon mon rapport préliminaire, un excellent résultat en utilisant mon antipaludéen de synthèse. Et donc, nous pouvons faire ce qui peut faire en France et nous pouvons faire exactement si un Dimoun est malade, un Mauricien est malade en France, il peut gagner le même traitement. Et après, c'est une maladie qui est nouvelle, un virus qui est nouveau. Nous, pas encore, la médecine, la communauté scientifique internationale, pas encore même fini de comprendre le comportement de ce virus-là, ni comment il évolue. Et donc, il y a encore certaines incertitudes au niveau scientifique. Mais, jusqu'à l'heure, mon corps docteur Gazeller finit de dire, heureusement, tous nos patients. Tout nous manque à confirmer, puis pour Dieu, c'est stable. Donc, pour le moment, nous, par rapport à cette patient, nous sommes assez optimistes, mais nous devons suivre. Et je crois que nous déployons un grand moyen. Nous, le Premier ministre, nous garantit qu'il y a tous les moyens nécessaires pour là, et pas pour aucune rupture de stock de médicaments. Tout ça qui est bizarre, nous pouvons gagner et nous pouvons faire maximum pour qu'il N, nous protège la population contre la propagation du virus et deuxièmement pour qu'il bande patients qui nous désinfectent, nous traite correctement et
nous prier bon Dieu qui je tressi saute de la maladie. Mon passe la parole docteur Gazador. Par rapport au profil de mon patient. Question, très bonne question. Il y a une coïncidence aussi, hein? Il y a une coïncidence. Moi, je clique. Le premier cas, c'était un quelqu'un qui fin travaille le bateau, durant Maurice, pour un avion, 3 heures du matin. Nous avons un système de surveillance bien renforcé au niveau aéroport. Tout va personne qui peut travailler dans le cruise, étant donné qu'il nous fait trouver 3-4 bateaux qui problème finit gagner. Comme Westerdam Cruise, comme le Tigre Diamond Princess, nous finit gagner un autre dans Miami. Et quelques jours avant, nous pas bien oublié, que le premier cas à La Réunion, c'était quelqu'un qui tire d'un bateau en Amérique, il finit rentre à Paris, quand il rentre à La Réunion, il tombe malade. Mais nous pouvons veiller tout sa bande passagers qui finissent dans le bateau et en même temps tout le personnel qui travaille dans le bateau. Alors c'était le premier qui finit venir. Ce jour-là, le matin, 4 heures du matin, on regarde l'information qui, sa personne-là, quand il descend à l'aéroport, nous avons une thermique caméra qui fait monter sa température, c'est très fort. On prend le patient, passager, on amène tout de suite dans l'isolement SUA, d'après le protocole. Ça, c'était le premier cas, nous faisons le test. Le 14. Même jour, le 14. Right? Non, je ne vais pas rendre date. Pas 14. Je ne vais pas date, là. Hein? Je ne vais pas rappeler la date. OK, ça, N. Deuxième cas qui m'a gagné, c'était très intéressant. Moi, comme International Health Regulation National Focal Point, je fais un message depuis OMS qui 4 personnes mauriciennes qui travaillent dans le bateau, Pévin Maurice, et dans sa bateau-là, c'est un cas positif. Right? C'est le même jour. Ce qui m'a fait, ça 4 personnes-là, c'est dans isolation. Non, je suis en quarantaine, sorry. Je suis asymptomatique, pas d'aucun problème, je suis en quarantaine. Je me dis, moi, le personnel, elle fait test tout de suite, il s'en 4 là. Right? C'est une cinquième personne qui est sortie d'un autre bateau qui vient. L'ITI, ensemble avec sa bande là, dans la quarantaine. Je dis, on a testé ça du monde aussi. Je dis, le résultat venu, tous les deux positifs. Ça n'a positif et ce qui m'a gagné, grand matin aussi positif. Le même jour, c'était le même jour, mon billet qui date, je crois que c'était le 17 ou quelque chose comme ça. 17. C'est un qui donne beaucoup moins de malades là. Sa personne-là, elle vient de Maurice, mais elle n'est pas bien. Elle vient d'une cérémonie dans sa famille. Elle n'est pas de personne qui n'est pas bien. Elle n'est pas de personne qui n'est pas la fièvre. Elle n'est pas de personne qui doit tousser. Elle est finalement jeune, beaucoup souvent de famille. Et le 16, elle n'est pas sentie bien. Elle est finalement un médecin. Un jour avant, elle est finalement un médecin privé. Il n'est pas fini de dire non, il n'est pas fini de dire aux autres qui ne voyageaient. Le médecin a fini de dire, étant donné qu'il n'y a aucun cas dans Maurice à l'air là, il n'est pas fini de dire non, il le médecin, quelqu'un a fini de dire, il peut faire de la fièvre, tu sais, il n'est pas fini de aucune histoire qui ne voyageait. Alors il donne un, deux, trois médecines. Il y a une clinique. Dans la clinique là aussi, il n'est pas fini de dire aux spécialistes qu'il y en a
problème. Pendant aucun history voyage, parce qu'il nous parle d'après, nous banne définition de OMS. Parce qu'il nous parle aucun cas là. Il n'est pas fait de voyager. Nous n'avons aucun cas à des programmes Maurice. Il n'y a pas fait jeune qui n'y a eu contact et qui maladie. Alors, pas pour penser même qui, ça quelqu'un-là, fait malade. Le spécialiste, il query, il fait un extrait, il a trouvé qu'il est possible qu'il y en a quelque chose pas bien en lui, il a envoyé ça dans le système. Il a envoyé le candidat, écoute-moi, mon équipe prend lui. Là, là, nous guettons lui. C'est là qu'il dit qu'il est voyagé. C'est là qu'il dit qu'il est sorti. Et c'est là qu'il raconte toutes ces histoires. Tout de suite, nous prenons lit, nous faire le premier test. Tout de suite, nous amener dans nos systèmes au SUAC. Le premier test qu'il nous fait, nous pas satisfait que ça promette ça. Nous faisons un deuxième test plus approfondi. Et ce deuxième test-là, donne-nous positif. Le même jour, nous gagnons ces trois résultats-là. Ça un qui vient par bateau, qui m'ont gagné, il a fait faux, m'ont testé. Et ça, là, c'est l'étil-là, étant donné qu'il m'a fait gagner ces quatre noms-là, m'ont testé ça personne qui est déjà dans nos systèmes. Alors, ça, des cas-là, qui finit venir là, je ne déjà rentre dans nos systèmes, alors je n'ai pas fini un contact avec personne là. Dans nos systèmes, nous isolons, dans l'isolation, je peux gagner un traitement et je suis stable, je suis bien. Cette personne-là, elle fait un domaine cérémonie religieuse, elle fait contacter sur une famille, et là, nous trouvons qu'il nous fait 9 personnes dans sa famille et fait infectées. Comment nous gagnons ça? C'est comment nous gagnons ce résultat. Nous pas tarder, nous avons un protocole, nous faisons un contact tracing. Pour mes affaires, c'est nous jeunes toutes les familles, nous tester toutes les familles et nous guider côte à côte. Et nous pas encore fini, nous faisons encore test aujourd'hui dans ce bonne famille, nous attendons ce bon résultat là et nous continuer. Parce que là, nous avons un seul qui finit gagner contact avec 20 dimon. Et nous pouvons tracer tout côté finale et plus vite nous tracer tout, plus vite nous contenir lui et nous gagner un bon résultat. C'est comme ça qu'il nous fait gagner 3 cas dans le même jour et 3 différents immunes. C'est N, c'est OMS. Si pas tu as vraiment ce papier-là, je ne vais pas gagner ce immune-là. Parce qu'il y voyage dans un bateau. Et deuxième, je vais gagner sur le bateau parce qu'il nous fait un protocole qui, toute personne qui peut travailler dans un bateau ou qui voyage dans un bateau étranger, qui nous parle de côté final, et nous peut prendre tout en quarantaine. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous avons des centaines de personnes qui fait un travail de bateau, comment on peut venir, on peut mettre dans la quarantaine. Nous pouvons trouver un résultat et m'espérer que si aujourd'hui, parce qu'on a fini venir depuis le bateau, je ne vais pas finir aucun symptôme, ni tousser, ni la fièvre, non rien, mais je suis dans la quarantaine. Si je n'ai pas contact avec quelqu'un, nous pouvons trouver là. Nous pouvons trouver là. Si je vais tousser, nous pouvons tester. Et il est pour la même. Il est confié dans nos systèmes. Il n'est pas en dehors de ce système-là. Ça, c'est très important. Alors, il y a deux cas qui. Il n'est pas venu en contact avec aucun Mauricien, il est là. C'est là qu'il finit en contact. Nous pouvons faire un contact tracing, nous pouvons ratisser bien, bien large et nous pouvons aller bien vite. Comme on dit, dans 2 jours, nous finissons faire 145 contacts. Et là-dedans, nous finissons faire 145 contacts, nous pouvons faire tester, nous finissons gagner 9 qui, dans la famille, qui est positif. Alors, c'est ça qui vient de passer. Tout là dans transparence, on comprend, nous ne pouvons pas dire qu'il nous peut cacher, c'est 3 différentes personnes qui, par coïncidence, nous gagnent le même jour. Bon, mon pénat tout au moins là, ce qui m'a dit, c'est ça 9 qui nous finit gagner, à part, c'est ça 3 mois de finir ce coup, ça 9 qui nous finit gagner là, c'est N qui finit pas finir. Dieu nous sauve en vérité, c'est lui qui finit à infecter sauve un proche d'un seul foyer. C'est ça mon Dieu. Il pas fini valeur du jour, il pas fini sorti en dehors de ce foyer là. Mais nous pas connaît parce qu'il a contact, nous besoin très contact comme ça. Contact sur contact, nous pouvons connaître que ça peut aller. Mais comme mon Dieu, nous peut ratisse bien large et nous peut aller vite,
Moi, j'espérais qu'il nous capable de contenir ça, ça. Mais en même temps, c'est ça que le docteur a fini de dire, et ça que moi aussi, je peux dire, c'est nous tous, nous devons prendre précaution. La meilleure précaution, c'est reste à la case, reste à la case, hygiène, social distancing, ça, c'est aussi important que n'importe qui affaire. Si vous suivez ça, si quelqu'un qui dans sa foyer là, qui nous connaît, parce que le virus n'a pas fait d'écrire le disait personne, ou la telle personne, s'il vient devant vous aussi, hein, si vous gardez ou distance, et vous prenez une précaution, vous ne pouvez pas trouver qui vient pour infecter. La chose qui nous peut dire, c'est un basic principle de hygiène et social distancing là, il est très très important, valeur du jour maintenant, parce que nous sommes en cas dans Maurice, et le virus là, il est là, mais nous ne connaissons pas dans combien d'immunité encore, parce qu'il faudrait nous faire tout un test plus vite que possible, et là, nous vous connaissons. Si nous avons 12 cas aujourd'hui, ça ne veut pas dire que nous ne sommes pas capables de faire rien. 12 cas aujourd'hui veut dire que nous avons un système qui commence très bien, nous avons un système de, qui peut montrer ses fruits, nous avons un protocole qui peut montrer ses fruits, parce qu'il nous peut ratisser l'âge, nous peut trapper le maximum d'immunité, nous peut tester le maximum, c'est un qui nous peut trouver beaucoup de un peu test positif là. Moi, pas pour dire où qu'il est en droit, parce que si moi dis où qu'il est en droit, les boucraines s'y causent là. L'impréférable, moi pas dire l'endroit, valet du jour, parce qu'il est pour créer une s'y cause. N'importe quoi qu'il était, disons, moi, Maurice, Kuapip, dans sa région là. Mais mon cas peut venir pour lui aussi. Mon cas peut venir pour lui aussi, partout. Mon préférable, ce qui est important, c'est tout le monde, bien prendre précaution, tout le monde, bien suivre sa méthode qui nous peut dire là. Et tout le monde, s'il fait sa social distancing là, s'il garde un mètre de distance, parce que sa personne qui peut gagner ça là, s'il toussait, ça toussait là, pas pour le plus qu'un mètre. Et nous pas tous ben objet, nous pas tous nous figurer, mais penser nous protéger nous. C'est après, deuxième, c'est le moyen qui le gouvernement fait mettre, confine nous-mêmes, reste dans nous la case, nous sortit le minimum. Juste pour faire nous le minimum qu'il nous vient faire et nous pour protéger. Vous connaissez, pour moi, valeur du jour, nous devons attendre. Nous devons attendre. Parce que nous pouvons faire un test, nous devons attendre. Parce qu'il nous parlait que demain, tout le monde dit ça, le monde sans l'endroit là, nous parlait trop libre ici. Le monde sans l'endroit là, nous parlait trop libre ici. Plus important que ça, c'est nos précautions nous-mêmes. Nous empêchons de gagner cette maladie là. Comment nous empêchons de gagner cette maladie là? C'est par sa méthode qui nous peut dire là. Parce qu'il nous connaît là, mais nous ne prenons pas de précautions. Qui peut arriver? Nous prenons malade là. Mais nous prenons cette précaution là, n'importe quoi qu'il y ait, il est bien difficile pour nous gagner malade là. C'est ça plus important. Parce que demain, on va trouver un. Dimoun, pour tirer placard, je parle de M. X de à l'endroit là, M. Y de à l'endroit là, et pour qu'il y ait un gros problème pour l'instant. Voilà du jour, nous suivons les consignes qu'il nous a donné et nous pensons nous tout pour protéger. Est-ce que tu veux dire quelques mots là-dessus? Oui. Vous allez peut-être dire quelques mots sur. Oui, on va vous donner. Sur l'épicentre. Oui, il y a des choses à dire. Alors, j'ai pas mal de choses à vous dire sur ce qui vient d'être dit. La première chose, on a parlé du traitement. Et la deuxième chose, on a parlé de pourquoi est-ce qu'on dirait pas où se trouve le premier patient et où se trouve son entourage. Pourquoi, je vais commencer par la réponse à la deuxième question. Pourquoi il ne faut pas le dire? D'abord parce qu'il y a une confidentialité, un secret médical, et chacun d'entre vous a envie d'avoir sa vie protégée. Mais la deuxième raison, elle est beaucoup plus importante. Il faut que vous sachiez que cette maladie, elle est extrêmement contagieuse. Elle est très contagieuse et elle ne donne pas toujours des symptômes. On ne sait pas exactement dans combien de cas, mais dans... Alors, ça dépend des séries, ça dépend de beaucoup de choses, mais enfin, disons qu'entre 20 et 50%, selon les séries de cas, les gens n'ont pas de symptômes.
Donc, ils sont transmetteurs du virus, mais ils n'ont pas de symptômes. Donc, ce n'est pas parce que vous allez vous figer sur un endroit où vous avez un cas connu que vous allez éviter de vous contaminer. Vous allez faire attention éventuellement dans ce cas-là, mais vous n'allez pas faire attention à côté. Et c'est là que vous allez vous contaminer. C'est pourquoi vous devez prendre des précautions universelles, car le meilleur traitement, c'est la prévention. La prévention, c'est simple. Un virus, ça ne vit que à l'intérieur des êtres humains. Alors, pas tout à fait, puisque ça vient d'animaux. En l'occurrence, ce virus-là, il a probablement été transmis dans ce marché chinois par des chauves-souris et ou des pangolins qui sont vendus également dans ce marché et qui sont habités par des virus qui sont semblables à 99% avec le Covid-19. Donc, de cet hôte, un être humain va l'attraper. Et ensuite, ces êtres humains, ils vont faire des formes cliniques extrêmement différentes. Les enfants, par exemple, qui sont atteints, ne vont pratiquement avoir aucun symptôme. Les personnes âgées vont souvent avoir des symptômes extrêmement graves. Si vous voyez quelqu'un qui, à côté de vous, n'a pas de symptômes, vous allez être faussement rassuré. Vous allez vous dire, tiens, bah, avec celui-là, je ne risque rien. Or, celui-là, il peut vous contaminer. Une personne contaminée par le Covid-19, en moyenne, contamine 2,6 personnes. Mais il y a des super contaminateurs, comme malheureusement notre cas numéro 1, qui a déjà contaminé une dizaine de personnes. Un super contaminateur va contaminer 30 personnes. Si vous vous estimez, en regardant votre voisin, que lui, pour une raison, parce qu'il a l'air en bonne santé, ne vous paraît pas à risque, c'est là où vous allez être en danger. C'est pourquoi il faut que vous preniez ce qu'on appelle les précautions universelles, qu'on vous a répétées à plusieurs reprises, que mes confrères vous ont répétées. Vous n'êtes pas à un mètre les uns des autres. Moi, je suis à un mètre de mon voisin. J'ai fait exprès. Tout le monde doit respecter. Le Premier ministre a pris, d'abord le gouvernement, le ministère de la Santé et le Premier ministre ont pris les mesures, les bonnes mesures qu'ils pouvaient prendre. Ils ont pris tout ce que eux, le gouvernement, pouvaient faire. Donc ils ont tracé les gens à l'aéroport, ils ont isolé ceux qui étaient à risque, mais ceux qui étaient à risque et qu'on peut trouver, ce sont ceux qui ont de la fièvre, d'accord? Donc tous ceux qui ont de la fièvre, selon un protocole de l'OMS, ils ont été mis à l'écart. Mais tous ceux qui sont arrivés dans le pays et qui n'ont pas de la fièvre, ben, eux, ils sont rentrés et ils n'ont peut-être pas eu de symptômes. On dit que pour un cas trouvé, il y a entre 20 et 100 fois plus de personnes contaminées. Et les personnes que l'on détecte, ce n'est que le haut de l'iceberg. C'est pareil dans tous les pays. À Maurice, on a un peu plus de chance qu'ailleurs, parce que les premiers cas, qui sont donc le haut de l'iceberg, ont été détectés assez tard par rapport au reste du monde. Donc ça nous donne la chance de voir les erreurs qui ont été commises par les autres et de ne pas les recommettre. Et notamment, il y a eu toutes les mesures de prévention qui ont été prises, et cette mesure qui a été prise hier par le Premier ministre donc de confinement, elle a été prise quasiment immédiatement, ce qui n'avait pas été le cas dans les autres pays. Alors on dit il y a la guerre, ok? Bah, qu'est-ce que c'est les soldats? Là, il y a l'état-major, le gouvernement, je ne sais pas qui. Les soldats, c'est chaque Mauricien et chaque Mauricienne. Si dans un monde idéal, chaque Mauricien et chaque Mauricienne respecte les consignes, se tient à un mètre des autres, se lave les mains très régulièrement et nettoie les surfaces, je vais vous expliquer pourquoi, eh bien, dans 15 jours, 3 semaines, il pourrait ne plus y avoir de Covid-19 ici. Le problème, c'est l'indiscipline des gens. Et c'est très, très compliqué de faire que tout un peuple comprenne très bien. Alors, les mesures ne sont pas très compliquées, mais elles le sont quand même. Parce que se tenir à un mètre des personnes, vous voyez, là, on avait préparé la salle pour que vous soyez éloignés des uns des autres. Pour mieux faire votre boulot, ben, vous vous êtes rapprochés. Donc, déjà, voilà, vous pensez que c'est plus important de faire des bonnes images que de vous tenir à un mètre. Et le raisonnement que vous tenez là, toutes les professions le tiennent. Ils disent « oui, mais moi, il faut que je fasse bien mon métier, je dois faire comme ça ». Donc vous devez changer, chaque Mauricien et chaque Mauricienne doit changer son logiciel. Il doit se dire « ma priorité, c'est de me conduire comme un bon soldat. Je suis un soldat de l'île Maurice. Je suis un soldat femme, un soldat homme. Bon, les petits-enfants, c'est différent, on peut pas trop... Mais on a arrêté les écoles. Et je suis responsable de l'avenir de mon pays. Et moi, je le vois vraiment comme ça. Parce qu'on a appris des autres et maintenant on sait. On ne sait pas tout sur le virus, mais on sait comment ne pas l'attraper. Alors,
vous tenir à un mètre, c'est simplement parce qu'effectivement, il faut cette distance pour les postillons, puisque le virus, il ne va pas pénétrer par la peau, il va pénétrer par les muqueuses, vos yeux, votre bouche, etc. Et ensuite, pourquoi vous lavez les mains régulièrement et essuyez les surfaces? Il faut que les gens comprennent pourquoi on leur demande ça. Parce que le virus, il se pose sur les surfaces. On a plusieurs études, alors il y a des études qui ont été réalisées avec des vaporisations aux États-Unis, mais il y en a d'autres qui ont été faites, des prélèvements qui ont été faits dans la chambre des patients infectés par le Covid. Eh bien, on sait que dans l'air, il y a des petites microparticules, mais ça n'est pas infectant. Ce qui est infectant, c'est directement de recevoir les postillons quand les gens parlent. Et ça survit à peu près 3 heures. Sur, par exemple, du carton, le virus, il va survivre, s'il n'est pas nettoyé, hein, il va survivre 24 heures. Et sur du plastique, il va survivre 3 jours. Mais si vous nettoyez les surfaces correctement, et vous avez intérêt à nettoyer là où on pose beaucoup les mains, c'est-à-dire les poignées des portes, les rampes, etc., même avec du savon, simplement de l'eau et du savon, vous le tuez. Parce qu'il a une membrane de lipides autour de lui, de graisse, et le savon, ça attaque la membrane et le virus, il se défait, il meurt. D'accord ? Donc nettoyez régulièrement. Et les mains, pourquoi on vous dit de vous laver les mains toutes les heures ? Parce que les mains, on les pose dans des tas d'endroits où il y a du virus, on ne sait pas qu'il y en a. On se les lave toutes les heures, c'est quand même pas très difficile. Je vous rappelle qu'il faut se les laver consciencieusement, on ne fait pas comme ça. Hein. On se lave les mains comme ça, là, bien correctement. On se lave les pouces comme on vous a montré. Et avec ça, ça marche aussi bien que les gels hydroalcooliques. Donc il ne faut pas aller se ruer sur les gels hydroalcooliques. De l'eau et du savon, ça suffit. Les gels hydroalcooliques, normalement, c'est plus les professionnels de santé. D'accord ? Donc lavez-vous les mains très correctement et essuyez vos surfaces, lavez avec des détergents normaux, même de l'eau et du savon. Si vous faites ça, vous ne serez jamais contaminé, jamais. Donc oui, le gouvernement a fait sa part, le Premier ministre a fait sa part, faites la vôtre. Alors pour les traitements, je réponds. Donc il y a peu de virus pour lesquels nous avons des traitements. Nous en avons pour le virus de la grippe, par exemple. D'ailleurs, nous avons un vaccin pour le virus de la grippe. Nous avons un traitement, le Tamiflu. Nous avons un traitement contre le VIH. Nous avons des traitements contre le virus de l'hépatite C. Nous avons des traitements contre le cytomégalovirus. Mais tous les autres virus, pratiquement, n'ont pas de traitement. À l'heure actuelle, bien évidemment, il n'y a pas de vaccin contre le Covid. Un vaccin, ça prend du temps pour être fabriqué. Mais il se trouve que le vaccin de la rougeole, un peu modifié, est probablement un excellent candidat pour devenir assez rapidement un vaccin contre le Covid. Mais ça, c'est en expérimentation et ça ne va pas être tout de suite. Concernant les traitements, alors, comme on vous l'a indiqué, il y a différents traitements qui sont à l'étude. Pour l'instant, le traitement qui marche le mieux, mais on n'a pas assez de recul, je précise, c'est ce qu'on vous a dit, c'est le traitement par les antipaludéens, les médicaments contre le paludisme, puisqu'il y a eu des essais en Chine assez puissant sur plusieurs centaines de patients et un essai en France sur 24 patients. Et on a observé que quand on donne ce traitement pendant 6 jours, au bout de 6 jours, le virus n'est plus détectable dans le sang. Donc certainement, c'est un traitement qui, à ce moment-là, aide. Et c'est le traitement que les patients mauriciens ont à l'heure actuelle. Après, il faut être prudent. On sait que ça améliore temporairement les choses, donc c'est une bonne chose que de donner ce traitement. On ne sait pas si à la longue ça va améliorer le pronostic, sinon que c'est une bonne possibilité. C'est un traitement qui n'est pas cher du tout, qui est très facile à avoir et qui a quand même une certaine toxicité, donc il n'est pas donné à tout le monde. C'est les médecins qui choisissent de le donner ou de ne pas le donner, donc il faut être prudent. Mais donner 6 jours à des patients qui n'ont pas de jeunes patients, par exemple, eh ben, c'est un traitement qui n'aura pas d'effets secondaires et c'est une chance supplémentaire qui est offerte aux patients. Voilà. Après, il y a d'autres médicaments. Il y a certains médicaments de l'hépatite C, certains médicaments contre le VIH, un antibiotique, l'azithromycine, enfin voilà, différentes choses qui sont essayées. Mais on en est au stade d'essai. Voilà. Je voudrais aussi dire une autre chose qui n'a pas été dite. C'est ce virus, il est très contagieux. Je vais vous dire un truc qui va vous paraître très bizarre. Il n'est pas très mortel. Les gens jeunes, les gens de moins de 50 ans, il y a moins de 0,2% de décès. C'est extrêmement faible et c'est avec des gens qui ont des pathologies. Là où ça devient vraiment grave, et c'est là où aussi je vous demande de bien diffuser les informations, c'est chez les gens qui ont plus de 70 ans, comme cela vous a été dit. La mortalité chez quelqu'un qui a plus de 80 ans, c'est à peu près 15%.
la mortalité chez quelqu'un qui a à peu près, enfin plus que 70 ans, c'est environ 8%. Les enfants, sur toute l'épidémie chinoise où il y a eu des milliers et des milliers de cas, il y a eu 6 enfants qui ont été hospitalisés et qui, tous les autres, ont fait des formes complètement bénignes. Donc, heureusement, nos petits-enfants, ils risquent pas grand-chose. Il y en a 6 qui ont été hospitalisés. Sur les 6 Chinois qui ont été hospitalisés, il y a un enfant qui a nécessité un tout petit peu d'oxygène et puis qui a bien évolué. Donc, heureusement, pour les enfants, ça va bien. Pour les personnes âgées, faites particulièrement attention à elles, qu'elles fassent particulièrement attention, qu'elles soient bien isolées et que les gens de la famille ne leur ramènent pas le virus. Et puis, il y a les gens qui ont des pathologies chroniques, qui ont des maladies particulières, les gens qui ont un diabète insulino-dépendant mal équilibré, les gens qui ont des pathologies respiratoires, des pathologies cardiaques, les dialysés, les gens qui sont immunodéprimés, qui ont des cancers ou des immunothérapies, enfin voilà. Il y a un certain nombre de gens auxquels il faut faire attention et c'est ceux-là qui nous protègent particulièrement. Si on fait bien tout, ça va bien se passer. Les courbes épidémiques, elles font comme ça, c'est-à-dire qu'elles sont très très plates et puis tout d'un coup ça s'accélère. Là on est au 3e jour de notre épidémie, si on fait comme tout le monde, dans 15 jours, 3 semaines, ça va être terrible, il va y avoir plein de cas. Donc si le peuple mauricien, parce que c'est facile de dire que fait le gouvernement, c'est vrai, les gouvernements sont responsables, mais que faites-vous chacun individuellement? C'est la question que vous devez vous poser. Si vous vous aimez un tout petit peu, si vous voulez faire attention à vous, si vous voulez faire attention aux autres, on vous a donné les recettes, ce sera répété, les médias, j'espère que vous les répéterez, il y aura une diminution énorme des cas. Ce n'est pas impossible. Il y a des gens comme à Singapour, comme à Taïwan, qui ont pris le taureau par les cornes et ça a marché. Ils n'ont pas eu l'épidémie catastrophique de l'Italie, de l'Angleterre, etc. Ils ont eu des courbes presque plates. Donc on va voir ce que le peuple mauricien est capable de faire. Vous connaissez cette liste-là? Là, nous faisons un test là, nous n'avons pas un résultat tout de suite. Nous faisons un test qu'on appelle PCR. Ce test là, il prend jusqu'à 6 heures de temps pour un résultat. Alors, le dépistage qui nous fait la 5 heures tantôt, nous pouvons mettre ça dans l'appareil, qu'avant vers minuit et bien qu'il faut prendre un résultat, qu'avant le matin pour un résultat aussi. Alors, tout ce qui nous met dans l'appareil, nous faisons une partie, nous avons un résultat, mais après nous pourrions mettre une partie dans l'appareil. C'est-à-dire, nous faisons tout ce dépistage qu'on fait aujourd'hui, près une centaine. Nous pouvons mettre tout l'appareil et demain matin, nous pouvons mettre tout un résultat. Vous connaissez tous ce souvent question. Si on a d'après définition OMS, il y en a un cas qui est l'île Maurice et c'est lui qui le forecast. Tout le monde qui est jeune devine un suspect. Il y a aussi un indice. Non. Nous ne va pas dire 10 porteurs. Ça, 10 personnes-là, c'est ça va 10 cas-là, c'est un cas qui est confirmé, et ça va 10 cas-là, fait gagner cette maladie et que ça va sa personne-là. Parce qu'il nous faisait un guide bien quand je ne commence pas à avoir des symptômes, quand je dis que le code et comme ça, le connaît. Mais nous ne pouvons pas dire que c'est la portée avec le porteur. C'est très difficile de dire cela. Parce que ça, il y a un autre problème maintenant. Là, pour l'instant, c'est nous avons un porteur qui nous fait 9 personnes qui ont sa maladie. Et merci. Tout, c'est sur votre famille. Oui, la même durée, parce que vous connaissez, nous guettons quelqu'un, des malades, nous guettons souvent des symptômes. Nous guettons quand ils sont outils, ils donnent nous une histoire qu'ils ont voyagé, etc. Nous trouvons souvent des symptômes, nous guettons souvent des extraits, et nous trouvons qu'il y a quelque chose qui parle normal, on dit. Par caractère, il n'est pas bien. Il y a quelque chose qui veut dire nous refaire quelque chose, nous réguetter, qui perd. Voilà. Un masque ou les gants, mais au moins je serais ça à plus de 1 mètre devant une personne. Ouais. Le personnel qui vous côtoie est pas sur le
quarantaine. J'ai tout la quarantaine, il y en a 17 avec 17 yes. nursing officers, il y en a 7 médecins qui sont en quarantaine, nous vous acceptez. Voilà. Et sinon, la prévention, la prévention dans l'hôpital, par rapport à masque de protection, etc. Non, il y en a masque de protection à l'hôpital. Il y en a beaucoup masque, nous peut distribuer à toute personne. Et seulement masque, si vous mettez un masque, vous ne pas sentir. Et c'est si vous mettez un masque, vous pensez que vous protégez, ce n'est pas correct. On vient suivre toutes bonnes méthodes qui nous peut dire de prévention, qui sont très très importantes et parfois les plus importantes que les masques. Non. Je vais vous prendre une dernière question, si vous pouvez, sinon les autres collègues peuvent planer et dépasser cette heure. Non, on connaît un centre de quarantaine. Tout centre de quarantaine n'est pas pareil. Il y en a place où il y a 40 mounes, il y en a place où il y a 50, il y en a place où il y a 100. C'est dépendre de la grandeur de sa place là. Parce qu'il promet à faire que nous pensions en dedans, c'est nous besoin de faire, comme madame finit de dire, une distance. Entre deux places, nous besoin d'une distance. Mais tout pareil. Là, ça, on trouve différents centres. Il y en a, le nombre, c'est différent. Dépend de la grandeur de la place là, sur le système comment il était. Et comme ça, nous décidons qui. La personne qui rentre là-bas a besoin d'un social distancing. Elle, quand elle dort, elle n'a pas besoin d'un bon problème. Donc, tu termines là. Et juste pour dire une remarque, le Chalon, le centre de quarantaine de Chalon est fermé et nous transfère tout bon patient dans notre endroit. Voilà, merci beaucoup. Nous donnons notre rendez-vous pour bonne question qui restait. À demain, 11h30, ici même, pour un prochain point de presse. Merci.